Oui, oui, vous le connaissez, ce thème immortel, ce thème d'anthologie, celui de Vagrant Story, ce thème qui introduit le jeu, ce jeu mythique au passage, mais ce qui nous intéresse, là, c'est la musique. Cette musique, elle est légendaire. Même si vous n'avez pas joué au jeu, vous la connaissez. Elle est l'œuvre d'un des plus grands compositeurs de jeux vidéo au monde. Je parle bien sûr de Hitoshi Sakimoto. Merci à tous et à toutes de nous rejoindre. Vous êtes bien sûr sur Final Game Onitron. C'est la 189e émission, votre rendez-vous de jeux vidéo et de culture geek. Cette émission, elle est enregistrée, donc elle n'est pas passée en direct. Hein. Voilà, ne vous soyez pas surpris. On parle ce soir, enfin aujourd'hui, d'un grand compositeur. On a fait Nobuo Uematsu. On fait le numéro 2. Uematsu est numéro 1. Sakimoto numéro 2. Hitoshi Sakimoto, un immense, immense compositeur de jeux vidéo. Lui qui a 49 ans, si je ne dis pas de bêtises, cette année, qui a un talent monstre. Évidemment, je ne suis pas tout seul pour en parler. Nico est avec moi. Salut Nico. Salut. Ça va ? Oui, ouais, ça va. On parle d'Hitoshi Sakimoto, ça ne peut que aller, je pense. Ah bah oui. Grand, grand, grand compositeur de jeux vidéo. Lui qui a souvent travaillé avec Yasumi Matsuno. Matsuno, l'auteur de Tactics Ogre, Vagrant Story, entre autres, tout ça. Sakimoto qui s'est fait reconnaître son talent dès son plus jeune âge, où il composait des musiques pour ses camarades de l'école et tout. Et déjà, à l'époque, il avait déjà son style. Ce Sakimoto, son style est très reconnaissable au niveau de ses sonorités. C'est des musiques qui sont très complexes, qui sont très recherchées, et il peut faire aussi bien des musiques entre guillemets très calmes, très mystiques, comme des musiques épiquissimes. Vous allez entendre un petit peu des deux, hein, de toute façon, dans notre sélection avec Nico. Donc 5 morceaux chacun. Vous écouterez un morceau de Nico, le mien, encore celui de Nico, le mien, etc. 5 morceaux chacun, 10 morceaux au total. Moi, pour un compositeur sur qui j'ai énormément d'admiration et qui ne m'a jamais déçu, moi, perso. Oui, bah, depuis que j'ai découvert Vagrant Story, qui a été une claque musicale pour moi, je suis ce compositeur avec attention à tout ce qu'il fait. Mais de toute façon, c'est un peu comme pour Uematsu. Moi-même, des jeux que je ne joue pas, je récupère ses musiques pour écouter ce qu'il a fait, même si le jeu, je ne connais pas. Tu vois, je vais écouter le travail qu'il fait. Et d'ailleurs, c'est le cas, moi, pour le premier jeu que tu as choisi. Pour le tout premier jeu que tu as choisi, Nico, parce qu'on n'y a pas joué, on n'a pas eu chez nous. Ça s'appelle Lord of Vermilion 2. En fait, c'est un jeu d'arcade qui se joue avec des cartes à jouer qu'on branche sur la bande d'arcade. Ouais. Donc, c'est uniquement au Japon, utilisable au Japon. Mais Sakimoto a composé des musiques du jeu, ainsi que Uematsu. Ouais, alors ça, c'est assez énorme, parce que Uematsu a composé les musiques du premier Lord of Vermilion et Sakimoto celui du deuxième. C'est le jeu béni des dieux, quoi. Et donc, le thème s'appelle Dawn of Vermilion. C'est le thème d'introduction du jeu, tout simplement. Exactement. Moi, la première musique que j'ai choisie de Sakimoto, c'est une musique très épique, celle de Tactics Ogre, Let Us Cling Together, un jeu que vous pouvez avoir sur PSP en remake. La musique s'appelle Impregnable Defense. C'est une musique épique de combat. Voilà, c'est pour moi tout le talent de Sakimoto représenté dans une musique. Là, après, Nico, t'enchaînes avec un de tes jeux favoris, même. Hein, Vagrant Story. Dans Vagrant Story, les thèmes des boss sont tous plus épiques les uns que les autres. Ouais, et j'en ai choisi un que j'aime particulièrement, c'est Tiger and Nissa, donc un des thèmes de boss du jeu. Exactement. Moi, j'enchaîne avec un jeu qui est très peu connu, parce qu'il n'est pas sorti en France. C'est un jeu de Vanillaware, c'est Grand Knight History, avec le thème Fighting Back, un autre thème de combat. Je suis fan des thèmes de combat de Sakimoto, et celui-ci, on avait fait écouter des morceaux pour l'émission sur Vanillaware quand on a parlé de Grand Knight History. Donc voilà pour ce qui est de mon second choix. Ensuite, un jeu beaucoup moins connu, oui, et alors, qui apparaît deux fois dans notre émission, vous allez voir. Tu parlais de thèmes un peu mystiques, et effectivement, ouais, celui-là l'est totalement. C'est un thème de Breath of Fire 5. Le thème s'appelle Origin. Donc oui, c'est vraiment du mystique avec des chœurs, une ambiance un peu étrange, enfin voilà, un thème très bien fait. Ouais. Ensuite, troisième choix pour moi, c'est Muramasa, The Demon Blade, avec le thème Impermanence. Voilà, alors c'est vrai que Sakimoto, il fait souvent des musiques style, pour des jeux style un peu européen, médiéval européen, et là en fait, il fait une musique pour un jeu qui se veut plus asiatique dans son folklore.
il a répondu présent sans aucun problème. Hein. Le mec, il peut tout faire, en fait. Il peut composer sur tout. Voilà, c'est juste un génie, tout simplement. Donc, Muramasa, ce Demon Blade, Impermanence. Et pour dire à quel point il a énormément de talent, c'est qu'il a même composé pour un shoot'em up. Alors, pour le plus grand shoot'em up de tous les temps. Voilà, donc Radiant Silver Gun, le thème s'appelle Penta, c'est le thème d'un des niveaux du jeu. Tout aussi épique que le reste des thèmes de Radiant Silver Gun. Et donc, comme je disais, Breath of Fire 5 Dragon Quarter représenté deux fois dans notre émission, puisque moi j'ai choisi un autre thème de ce jeu qui est Electric Power Building. En fait, c'est dans un lieu du jeu. Je trouve que la musique, elle est surréaliste, elle est aérienne. Écoutez-la jusqu'au bout, vraiment, je vous invite. J'ai déjà passé cette musique quand on a parlé de Breath of Fire. Voilà, moi à chaque fois que je l'écoute, je suis transi par cette musique. Et enfin, peut-être ton dernier choix sur Sakimoto, encore du shoot. Ouais, encore un shoot'em up. Ouais. Gradius 5, ouais. Excellent jeu, le meilleur jeu de la série Gradius, et pour cause, il a été fait par le studio qui a fait Radiant Silvergun, voilà, avec Sakimoto au musique. Là, c'est le thème des boss, tout simplement. Et bah pour finir, moi, ce sera un thème d'FF12, Final Fantasy, où je pouvais pas passer à côté, c'est l'OST que je préfère du bonhomme. C'est le thème Ending Movie, donc pour la dernière scène du jeu, hein, la musique qu'il a composée par-dessus la scène. Voilà, c'est cadeau, j'ai envie de dire. Voilà, vous savez le programme de notre émission sur Hitoshi Sakimoto. On vous souhaite une excellente écoute. J'espère que vous allez vous régaler avec notre sélection de ces 10 musiques. Et évidemment, si vous avez la version YouTube, parce qu'elle sera sur YouTube, vous avez les images pour vous repérer, pour aller directement aux musiques qui vous intéressent. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente écoute. Et encore merci à Hitoshi Sakimoto pour son travail musical qui nous fait rêver, nous fera rêver. J'ai hâte d'avoir le prochain Vanilla Wear sorti à Edgestream. Bah, j'arrête le thème du trailer. Voilà, on sait que c'est lui qui est derrière. Et franchement, c'est un monstre ce type, tout simplement. Hitoshi Sakimoto, bonne écoute à vous.